chers téléspectateurs de Congo Unie Télévision, nous sommes à l'échangeur de Limété, ou précisément au mausolée de Lumumba. Et cette cérémonie aujourd'hui a été présidée par le Premier ministre. Il était là. Et aussi, nous avons vu la présence de Jeannette Kabila, l'honorable Jeannette Kabila. Il y a eu également M. Isidore Kwanza. Il y a eu également Julien Paluku. Et aussi la famille Lumumba. On y a surtout Bayaki, justement, pour nous honorer, pour commémorer le jour Oyozali, il y a Liwa, il y a Lumumba. En tout cas, Liwa qui n'a pas été voulu par lui-même. Comme vous le savez, Liwa Oyozali qui voulu par Oyo, par Boyaki. Était à même en bon cannabis on a liboso bah oh bah boya qui était bisoto à l'allée indépendant. En tout cas, nous avons eu récolté des interviews de différentes personnes qui ont assisté aujourd'hui à cette cérémonie organisée par sa famille biologique. En tout cas, j'aimerais à ce que la population ou la jeunesse plutôt congolaise aille à la côté les mains et que tout côté c'est la distraction. En tout cas, le moment n'est pas vraiment à la distraction. Le moment est, nous sommes appelés tous à aller à travailler sur notre pays, à travailler pour que nous allons de l'avant. Parce qu'on a besoin d'aller de l'avant. Qui n'a pas besoin d'aller de l'avant? Même vous tous, même vous qui êtes en Europe, même vous qui êtes je ne sais où, en province, il faudrait faire en sorte de travailler pour notre pays. Parce que c'est quand même important, il y a vraiment été, même la mentalité, hein, il faut qu'on puisse travailler, même notre façon de penser aussi. Parce que Yann, ça ne va pas aussi de ce côté-là. Unissons-nous. Ce n'est pas seulement au chef de l'État de faire d'évoluer ces pays. Ce n'est pas seulement au Premier ministre de faire évoluer ces pays. C'est à nous tous. Mets dans la main. Réunissons-nous. Mettons-nous sur une table et essayons de réfléchir sur notre pays. Parce que c'est important. Si nous voulons que ces pays aillent de loin, si nous voulons que ces pays avancent, si nous voulons que ces pays puissent se développer, en tout cas, il s'agit de la mission de ce tout Samana. Donc là, Banaya Congo Moko, comme les Congo Unis, votre chaîne. Tout le monde ne s'applique pas, mais essayons de le faire et le Congo sera meilleur. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer une fois de plus encore la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est lui qui nous a aujourd'hui accordé l'indépendance de notre pays. Alors, quel message adressez-vous
à la population congolaise, je le préfère. Bon, je pense que nous sommes en train de commémorer, vous dites bien, la mort de Patrice Emery Lumumba, qui n'est pas mort de sa propre mort. Il a été assassiné par les officiels belges qui nous ont colonisés à ce temps-là, avec lesquels il voulait que le Congo soit libre, digne de soi, pour que l'ensemble de Congolais, les fils et les filles, à son temps, avec leurs enfants, les petits-enfants qui doivent venir et que nous sommes, doivent prendre le contrôle de la situation de ce pays. C'était ça le but et le combat de Patrice Emery Lumumba. Il n'est pas mort de sa belle mort. Il a vu assassiner. Et ça, c'est un élément prépondérant que nous devons enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que l'ensemble même du corps de Patrice Emery Lumumba n'est pas sorti du Katanga, est sorti de la Belgique. C'est de la Belgique que nous sommes allés prendre le relique de Patrice Emery Lumumba que nous avons ramené ici. C'est-à-dire que les assassins ont dû ramener l'ensemble des restes de Patrice Emery Lumumba en Belgique, finalement. Mais déjà, il y a eu une réconciliation entre la Belgique et la RDC. C'est une autre chose. Okay. Mais là, c'était une réconciliation, non pas une réconciliation dans le sens figuré, mais c'était pour qu'on puisse nous ramener, que nous puissions récupérer le corps qui est la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Là, nous sommes aujourd'hui dans ce mausolée. Donc, au moment où je vous parle, nous devons faire très attention pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent être enseignés sur les vraies valeurs de Patrice Emery Lumumba a pu mener sur les engagements du Congo aujourd'hui, ensemble avec le politicien de notre temps, qui doivent comprendre que non, le combat politique n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif qui fera que demain ou après-demain, que vous n'êtes plus là, c'est l'ensemble des Congolais qui doivent être contents des mécanismes, des enseignements que vous avez dû donner pour que le Congo puisse aller vers de l'avant. D'où j'attire l'attention de tout le monde, de politiciens et de ceux qui ne sont pas politiques aujourd'hui, l'ensemble des Congolais, de comprendre que le message qu'a laissé Patrice Lumumba, ce combat qu'il a dû mener, est un combat du siècle qu'aucun dirigeant jusqu'à notre temps dans le monde n'a pas pu encore atteindre. La chance que nous avons, c'est d'en avoir un peu l'enseignement de Patrice Emery Lumumba qui permettra à ce que nous puissions le véhiculer, cet enseignement, au travers la jeunesse, via leurs écoles, qui permettra à ce qu'ils comprennent aujourd'hui le sens élevé de la dimension de Patrice Emery Lumumba. Mais est-ce que l'unisson que lui voulait, est-ce qu'on le retrouve encore aujourd'hui? L'unisson. Bon, être ensemble. Mais justement, l'unisson que lui a voulu, nous le retrouvons. Mais malheureusement, il y a quand même des séquelles politiques que beaucoup de politiciens n'ont pas encore compris. Et ils doivent comprendre, ils doivent quand même élever la situation à un rang qui permettra à ce que le Congo puisse répondre son contrôle d'une manière générale, pour que le Congolais dans son ensemble puisse être vraiment les fils et les filles de la patrie, d'une même patrie. C'est ça l'essence élevée de combat de Patrice Emery Lumumba. Voilà un peu le petit message que moi je voulais adresser pour votre opinion. Merci. Merci beaucoup. Vous avez bien suivi que dans sa vision, c'est quelqu'un qui est resté sur la droite ligne de l'indépendance. Que prenez Lumumba, vous savez, l'indépendance, elle est complexe. Hein? L'indépendance, elle est multiple, elle est dans beaucoup de domaines. Mais il y a certains domaines dans lesquels on n'est pas encore indépendant. Quand un pays comme celui-ci va se faire attaquer, aux yeux sur de tout le monde, que personne ne dise rien, ça pose quand même problème. Donc je pense que là, si je suis venu honorer la mémoire du Premier ministre Lumumba, c'est parce que je me dis, au moins, il a inspiré, sa mémoire a inspiré l'actuel chef de l'État dans le combat que nous menons. Je n'entre pas dans la politique interne, mais je parle de la défense de la patrie, hein, de l'idée qu'il a, hein, des sacrifices, des risques même qu'il prend pour défendre la patrie. Et je crois que c'est dans la droite ligne de ce que prenait le Premier ministre Lumumba. Voilà pourquoi je suis là. Merci. Lumumba Azali Motete, Lumumba Azali Likanisi. Donc là, il y a le bac à le vie, Azana papa, Azana maman, Azana Nekolote, Azana Lingomba, Azali Likanisi. Il y a un gros bisou, Azali, Olandaye, Nassima Mikolonio, surtout Azali pour continuer, Nako célébrer, puis Nako Kanisali Likanisi, Atike la Kibiso, pour que Congo et Kende Liboso. Pour les 63 ans après, c'est vrai, 63 ans, ils allaient bêler, mais. De quoi d'ailleurs, moi, quand il me s'agit de la lutte continue, puis nous avons continué la lutte à Lumumba. Je sais que Batonioso,
bazo comprendre l'unité, bazo comprendre malamouté, mais néanmoins, il était mal compris. C'est pourquoi aujourd'hui, nous étions en train de le plaider pour les uns, mais nous, nous les célébrons, nous savons que la victoire viendra absolument. Non, moi je suis d'abord président du comité exécutif des Ankoutchouana Mongo, l'association créée par Patrice Emery Lumumba lui-même. Nous avons le devoir de venir le célébrer parce que nous, nous ne les plairons pas, nous les célébrons et nous les vulgarisons. Comme il a dit lui-même, que lui, Lumumba n'est pas une personne, il n'a ni père ni mère, il n'a ni tribu, il n'appartient à aucune religion, c'est une idée. Et nous, nous continuons avec cette idée qui s'appelle Lumumba jusqu'aujourd'hui. Voici pourquoi nous sommes ici. Pour le célébrer. Les bons souvenirs sont nombreux, c'est vrai, parce que vous savez que Lumumba, c'est un sujet inépuisable. Nous avons commencé à l'exploiter et il est inépuisable. Excusez-moi. 63 ans après, je sens que la lutte n'est pas facile. Nous continuons à lutter parce qu'il a dit la lutte continue. La lutte continue. 081 70 68 336. Ça, c'est notre numéro de contact. Il y a le WhatsApp. C'est ça. Votre adresse, votre nom. Mon nom, c'est Madame Nicole Sambi, notre ONG RGL. Pour le moment, nous sommes dans le local 29 à l'ISTEM. Nous avons un local là-bas où nous avons nos bureaux. ISTEM Kinshasa. RGL veut dire quoi? RGL veut dire éducation et rééducation de la jeunesse par les loisirs. Par les loisirs, or et pèse à capiso. Mais ce qui or, par exemple, les sacs à chaînette, mais la carte à l'issue, la vie sur la qui or, les autres services sont à refabriquer avion, les autres services sont à refabriquer un bilan pour aider. Alors, moi, je suis à Yébi Bongo, à Kolingambo Kanaye, à Yébi Kaka Kinshasate, à Yébi Kaka Mboka Bota Melite, mais à Yébi Pepe Biteni à Congo, Nakitana. Et quand c'est à Yébi Yango, à Linga Congo Mobimba, à Sala Pema Kasipona Kopa de la Yango, pour des mots cannabis. Oyeza konfwatize na banguna mboka na biso oyo banguna bazoluka bayiba kita na biso mboka mabele nyoso ya Congo eza na kita moko ezo servir na monde entier yango wana lisano oyo bana kaka te na biso bakolo to se rattraper pona koyie ba Congo malamu to ba kobate la kita na biso po toza mabele mosusu te kaka Congo pensez à la célébration de votre jeu dans les programmes scolaires. Oui, c'est ça notre souci majeur. Nous avons présenté ces jeux au conclave de génie pédagogique de notre pays. Le président même a eu à jouer à ces jeux et il a aimé. Nous sommes en train de faire des démarches pour que ces jeux soient intégrés dans les programmes scolaires. Nous voulons que tous les enfants du Congo, pas seulement les enfants de Kinshasa, ou non seulement les enfants que nous encadrons au niveau de notre ONG, nous voulons que tous les enfants du Congo, du Congo bien sûr, même ceux qui ne sont pas dans le territoire national, ceux qui vivent dans le pays étranger, connaissent ces jeux afin que cet amour de la patrie vraiment naisse ou croisse pour que cet amour finalement leur pousse à protéger le pays contre les prédateurs. Oui, bonjour papa. Kombo na yonani. Kombo na bien na kombo ya Ja Opanga, mon même ya état des droits na Congo. Tozalaki na mikili ya poto, ngai Olivier Kamita, Moïse Katumbi, Francis Kalombo. Donc j'étais porte-parole ya bami ya Moïse Katumbi. Oyo ke tubi kolo bazalaki ya baluba ba Congo bangala ba tete langana jongo de tozali lokola ba opposant puis par ya ba diaspora tous ils sont bénéficiés que nous qu'on fait discriminer et ce qui est à la base c'est Moïse Katumbi lelo tomonio awa na mozole ya fait Patrice Emery Lumumba le premier ministre. Oui, évidemment toye yawa Patrice Emery Lumumba oyo abunda po na ekolo de sorte que to zwa indépendance parce que to ko mon ebele ba ko loba ete Patrice Emery Lumumba ne utazaki presende Congo eza mabe ne to ko tali sabango sa malokonda sali 5 ans eloko nini ya sali eloko oyo ya sali même Adolphe Mozito azaki premier ministre eloko nini na sali to ko tala même les sous d'abord même Mozito azaki premier ministre eloko nini na sali Lumumba abunda de sorte que to maintenir l'état des droits par rapport sur le respect de la dignité.
Et nous, le monde d'abord à Salakite. Autant que le président Yazaki Kassavou, Bazalaki, ou Sengeli Atonga. Bako Luka, le monde a tongé la bangonine. Et tant que premier ministre. Le lot, ce qui va être le bâtisse, c'est que le bâtisse, c'est le conde. Ce qui va être le Joseph Kabila, le bâtisse, c'est le bâtisse. Non! De sorte que Motonyo soit à la mature. Si c'est le bassesse qui vous envoie de parler mal de Lumumba, mais tout homme serait sanctionné parce que comment il y a Lumumba est reconnu mondialement. Oh, tout le monde est fait bénéficier pour détourner si ma yakombe ya Lumumba. Tout ça, Lumumbiste, mais au moins, maintenant, Bazana Mawaya, Bassé combattate. Si certainement que non, il y a les politiciens sages. Aujourd'hui, Bazan Wapi, Moutoumoko Taza Koyako rende hommage à Bassé combattant. Même Tshisekedi Ndongaza, Sala UDPS. Ceux qui vous ont rendu hommage et respect par rapport à Tshisekedi, n'aura pas de changement. Mais on veut les quelques détournés pour lui assis, ma yakombe ya bateau. Mais vous êtes les compétences de Bassé dans les combats politique, il y a un peu de temps que nous avons tout le respecter va ses combattants. Même na poto na mikili ya poto, au commun avec Emmanuel Macron, avant de ça, même l'église, ils ont rendu hommage à ses combattants. Nous sommes tous les gens qui ont fait l'église, nous sommes tous les gens qui ont fait Bato banso ba kosala masanonde ba lingi. Yebi sango ndengini mboka ya ndengini. Oye bato batangate, ba yeba meme mayele teme. Yako meteni kirchuto baze ya kutumi na bango. Boko developpe tepe boko evoluete. Message nini yo kulanse na ba imboka nyoso na komemore liwa ya Patrice Emery Lumumba. Message na kopesa na moto nyoso. Na Félix Tshisekedi Tshilombo. Même la baïbanso, batangi sami d'abord na bestition en moka, sama lokonde. Poste ya zawane za poste na yete. Eza le mouma nda ya kombata celui-là d'abord qui tient le trophée ya primature, ya premier ministre. Ya za ko exercer par rapport sur l'imputation ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est qui au Congo? Il est comme tout homme que nous avons le devoir que non, on cherche le développement et intérêt à Congo. On n'a pas peur de quelqu'un. Oh, ceux qui ont causé du mal et exploitation, ingérence politique, espionnage politique, c'est Moïse Katumbi. Si c'est tu sais qu'il veut qu'on fait toujours une belle bataille, qu'il dégage tous ces espionnages. On ne veut pas parce que le Congo appartient à Lumumba, appartient aux militaires, appartient aux policiers. Les policiers ne bouffent pas l'argent. Nous, 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 les militaires, mais depuis qu'on a touché d'abord 21 000 dollars. Yannir. Si comme tu as cette formation, il y a 3 ans, 7 ans, pas bon de l'école. Aoko Kakosim a 100 dollars, tu n'as pas vu. Ou on a des bons de la politique. La discrimination. C'est escroquerie, injustice, non-assistance à personne à danger, avec les militaires congolais, Mamadou Koufa, nan a joué un hommage à Mamadou Ndala. Et comment Mamadou Bunda même militaire a débuté? Mais bah, militaire, vous devez se mettre dans la loyauté. Vous devez se mettre dans l'amour du paquet. Arrêtez-vous d'abord de s'impliquer inutile. Tous ceux qui n'ont combat dans Mikili, à Poto, mais comme on a dit, au Teka Congo, Boutou, Boutou, au Kondimate. Oh, bah, vendu ça, bah, tu vas impliquer, bah, on va voir, comment va m'indiquer que non, bah, ça, bah, envoyé spécial et un européen. Oh, que ce soit des implications, y'a bah, ton abango, pour battre qu'à Congo. Oh, bah, va commissionner, y'a bah, minerai. Oh, nous n'accepterons pas. On est prêt de poursuivre même Katumbi parce que espionnage. Armée à Corée du Nord, c'est minerai à Congo. Combien les Congolais qui meurent, qui n'ont pas toujours à manger? Katumbi est prêt de combien à Kataga? Y'a Koufi, c'est combien? Mais nous, on a perdu Chéribet. On a perdu d'abord Raphaël et Yanni. On a perdu d'abord Lumumba. Et dites-nous alors, combien on a bénéficié dans Sankourou? Okay, merci. C'est là que nous avons. Nous sommes ici au mausolée du fait Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette belle journée? Comme vous le savez bien, le fait Patrice Emery Lumumba est un héros national. N'est plus à rappeler en République démocratique du Congo. Et c'est chaque 17 janvier que tous les Congolais à travers le monde commémorent son décès. Et nous, quotidiennement à l'IMETE, chaque année, nous avons ce devoir de venir accueillir les autorités qui viennent pour se recueillir devant le mausolée de Patrice Emery Lumumba. Et c'est ce qui témoigne notre présence ici. Et donc, dans quelques heures, vous allez voir certaines autorités qui viendront et nous serons là pour les accompagner devant ce mausolée pour se remémorer de ce grand homme qui a fait l'honneur de ce pays et qui continue à le faire toujours. La parole.
Ngai nazali deuxième présidente ya réseau femme national ezakutwana mongo yango biso toye ko célébrer chaque le 17 de célébrer kaliwa ya héros national na biso père fondateur ya association des akutwana mongo donc wana za mukambi na kati ya fondation wana ndo moni na ye pona ko célébrer journal lelo twane sengo makasi journal lelo tozaka ne sengo pona ko célébrer journée oyo po héros national akufela ki Congo kaka teme akufela ki Afrique mobimba, Afrique centrale mobimba. Merci Ming. Nazar malo bébé, le tempo na e nanu. Nazar on a maï na mis. Merci. Mais c'est lui qui a occupé le même poste que vous aujourd'hui.